Tullio Sabato, ma boîte c'est Centre Service et mon club c'est Cabao le Morlaix. J'ai travaillé avec du service à la personne à domicile depuis 7 ans. J'ai monté Centre Service à Morlaix il y a à peu près un an et demi. C'est la possibilité de pouvoir donner à des personnes qui ont besoin d'aide à domicile, donner une assistance dans ces sens-là, les personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, les personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper de la maison. Nous on est là pour ça et puis moi j'ai plaisir de pouvoir soulager ces gens-là, de soulager ces personnes-là qui ont besoin d'aide. Et aussi bien évidemment toutes les personnes qui sont âgées aussi, qui ont besoin de ces aides et qui peuvent compter aussi sur Centre Service. C'est ça mon plaisir, c'est de pouvoir participer du quotidien de ces personnes-là et pouvoir les aider. C'est une agence de proximité. Nous avons une ligne directe avec des interlocuteurs dédiés à chaque contrat. Nous n'avons pas de numéro national. Nous avons ces sens de proximité que j'ai décidé de garder pour les deux agences. Nous avons aussi un sens de réactivité assez important aujourd'hui par rapport à la concurrence. Et nous avons aussi un système de formation chez nous avec un programme de tutorat qui marche très bien. Et puis nous avons aussi l'appui de la franchise avec des documents, des formations. Et voilà, pour toujours améliorer la qualité des prestations et puis éviter aussi les turnover chez nos clients. C'est les clients qui nous appellent et qui disent qu'ils sont satisfaits déjà de la prestation. Ça c'est un peu logique, mais ça nous arrive et puis ça nous fait plaisir. Nous avons des outils pour envoyer des audits et puis ils nous répondent favorablement, donc ça c'est sympa. Nous avons aujourd'hui un taux de satisfaction assez important pour Morlaix et pour Lannion aussi. Et ces taux de satisfaction, ça se voit sur les avis sur Google My Business et puis sur les réseaux. On a ça et puis ça fait plaisir. On a aussi des petits billets, des fois, des petites lettres des personnes âgées quand ils payent la facture, pour remercier les prestations et tout ça. Et ça nous fait plaisir. Club Cabo Morlaix, moi je cherche surtout un club où il y a l'éthique, où il y a la solidarité. Et ça j'ai bien trouvé dans le club. J'ai trouvé des personnes très sympas, très gentilles, des personnes qui sont à l'écoute. C'est un club où il y a beaucoup d'amitié déjà. Ça fait quelques mois que je suis dans le club et puis j'ai participé à d'autres clubs aussi. Et puis je peux dire que Cabo Morlaix, c'est un club où il y a vraiment une sincérité entre les membres. Et puis, je pense que ça, c'est le plus important pour faire du business. C'est surtout commencer avec la sincérité. Ça se voit clairement dans le club.